12 rappelle le score, donc Bulgarie États-Unis 15-11. 15-15-15-5 et maintenant on joue au même but. Alors là, c'est le tie-break. Allez, on rappelle rapidement les règles du tie-break, Michel. Eh bien, les tie-break. Tout de suite avant que ça commence. Tous les points comptent. Eh bien, voilà, c'est pas compliqué. L'équipe qui perd ce tie-break rentre à la maison. Service États-Unis. Jeff Thorpe. Contré, ça revient. Jeff Thorpe encore. Pardon. Bob Virtlik, autant pour moi. Et oh, oh là là, super bataille. Point est pour les États-Unis, signé Jeff Nygaard, 1-0. Service, oh là là. Barbichu. Oh. 1. Jeliakov a encore très bien joué le coup avec beaucoup de distance. Un partout. C'est pire qu'un tie-break au tennis là. Ouf. Parce que là, rigole. Ah oui. Service, oh court. Bob Virtlik qui est vraiment pas un pointu. Ah. Et ça pointe de nouveau pour les Bulgares. Alors ça. Regardez la tension qui règne à l'Omni Coliseum. Regardez la tension qu'il y a sur le terrain. Et des Bulgares qui s'encouragent. Les Bulgares qui prennent l'avantage dans le tie-break. On la ramène. Oh. Et Sorensen qui égalise pour les Américains. Je vous rappelle que les États-Unis ont déjà perdu un tie-break. C'était face à Cuba, si j'ai pas vu. Face à Cuba. Et là, c'est grave. L'heure est grave. C'est lui qui perd. Ganev, regardez-le. Tous les points comptent, Christian. Il faut absolument mettre la balle par terre sur chaque action de jeu. Allez, c'est reparti. Jeliakov au service. Oh. Elle est dehors et ça pointe encore. Trois partout. Regardez le Loy Ball. Trois partout. Regardez les visages de ces joueurs. Ils le connaissent. Ils le connaissent, l'enjeu. Ganev, maintenant ça va être une assurance touriste chez les Bulgares. Ah, et ce contre qui se fait contrer, alors ça c'est grave. Et ce contre signé Tonev, Timo Tonev. Ah, écoutez, c'est très simple, on est debout. Allez, Ganev au service. Oui, il est service matché. Yo, bien servi mon neveu. Allez. Ah, super, il a réussi à faire passer la balle du bon côté, Sorensen. Vous la voyez non passer, la Michel, du les États-Unis. Elle est juste franchie, il a joué intelligemment, il se sentait bloqué dans le contre, il a envoyé une petite balle molle qui a juste passé la bande du fil. Allez, Bob Virtlik, l'ancien, l'expérience sous service, 4 partout, USA Bulgarie dans ce tie-break. Ouf, c'est qui allait défendre, elle est défendue. Oh, c'est oui superbe. Et c'est notre ami Barbichu qui est Hayden. John Hayden. Eh bien, ils reprennent un tout petit avantage des Américains dans ce tie-break. Ils mènent 5-4. Et regardez, ça hurle, ça crie à l'Omni Coliseum. Service court, réserve, difficile. Mais l'assurance tout risque. L'assurance tout risque, Ganev. C'est pas compliqué, hein. Sauf ce joueur-là, on va le faire jouer. On va le faire jouer côté Bulgarie. Et le réalisateur américain ne s'y trompe pas. Eh bien, écoutez, je peux vous dire que vous avez raison. Ah, la fixe qui n'est pas passée. Alors là, on oublie Ganev. Aïe, oh, c'est mais super, c'est défendu. Quand on vous disait que les Américains sont les champions du monde de la défense et de l'arrière-défense, Ganev maintenant. Aïe, aïe, aïe. Ça revient. Et ça revient. Et oh, c'est oh, oh là là, c'est encore défendu, c'est superbe. C'est tie break. Et voilà, le point est de la Bulgarie. Une faute d'Aiden sur cette balle. Allez, Barbichu, c'est pas grave, tu te concentres. On assiste à un spectacle hallucinant. Allez, Martin Stoess au service pour la Bulgarie. Allez, on va lui redonner la balle. Oui, mais il prend son temps. L'arbitre va pas être rigoureux là, Michel. Oh, s'il le sent. Non, non. Servi. Oh. Bien joué, 6 partout. Oh là là, allez. Quand on vous disait qu'il y avait de l'électricité dans l'air, Hayden Barbichu, il est concentré le garçon. Allez, Brian Ivy au service. Ivy. Ça va être facile. Et toujours ça Ganev. Va être facile pour Ganev. 7 à 6. Point. Regardez ce visage. Regardez cette volonté.
Ah bah Ganev, il a l'air... l'électricité dans l'air, hein. Ouais, il a l'air d'en avoir après les Américains. Il leur en veut. Tant mieux pour la beauté du spectacle. Réception à deux mains. Oh, oh là là. Hayden qui vient de faire son point alors que Nygaard avait aspiré le contre-adverse. Égalité parfaite. Allez, volleyball au service pour les États-Unis. 2m06 et 100 kilos concentrés. Et c'est Pétard qui rentre. Pétard ou Zounov, vous l'appelez Pétard, vous. Il va nous mettre le feu aux poudres. Ah bah écoutez, on va voir ça tout de suite. J'espère que la mèche sera pas brillée. Et ça revient. Oh là 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 là. Les Bulgares qui conservent l'avantage. 8 à 7. Mais on est debout, Michel. Là, ça vaut vraiment la peine d'être debout. Je crois que je ne tiendrai pas assis dans la cabine. Donc changement de côté à 8 dans le tie break. Chaque équipe se partageant l'occupation du terrain. Regardez, celui qui parle côté américain et qui recadre les choses, c'est l'ancien Bob. Ah bah oui. Celui qui, d'après vos propos, Michel a failli venir au but. Oui, allez, il a failli. Service Bulgarie avec Ivanov Nikolai. Okay. USA, vous entendez le public de l'Omni Coliseum. Ils savent que c'est le moment de les encourager, leurs petits gars. Parce qu'autrement, même à domicile, les Américains, ils iront en vacances. Hein. Oh là là. Superbe croix. Il joue avec culot ball, c'est très très bien. C'est très bien pour le spectacle et c'est très bien pour les Américains qui égalisent. Allez, John Hayden, Steve, Barbichu au service. Oh, oh là, c'est superbement servi. Ah là là, ouais. Et ça marche. Maidenov. Point, Bulgaria. Maidenov, serving. Un point d'avance pour la Bulgarie. Le coup, le point est bulgare. Il a repris la balle sur la tête. 10 à 8, bien joué, monsieur Jeliatkov. Aïe, 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 le break est fait par les Bulgares. Donc, temps mort demandé par... Ça serait mais un jour de deuil national pour les accros de volleyball aux États-Unis. Ah, quasiment, parce que ce serait vraiment totalement inattendu. Allez, c'est reparti avec Naidenov au service pour la Bulgarie. Oh, ça revient. Et ça pointe 11 à 8 pour la Bulgarie. 11 à 8, alors là, c'est chaud. Très grave pour les États-Unis, ça fait un double break à récupérer. Fredstorm reprend. Problème, le score, Michel, 11-8. En faveur des Bulgares. Pour la Bulgarie, la Bulgarie en plus, qui est au service. Ivanov qui défend la balle. Ganev qui envoyé à la boucherie et qui se débrouille. Ça fait du 12-8 tout ça. Du 12-8 dans ce tie-break. Les États-Unis à domicile qui sont dominés par Ganev et consorts. À moins d'un miracle, les carottes sont cuites. Ouais, mais un triple break réalisé par les Bulgares, ça va être très difficile. Regardez Bob, il en veut le Bob. Ah, ils vont se battre jusqu'au bout les Américains, mais c'est quasiment mission impossible. Bon, allez, vous les connaissez. 12-9, service États-Unis, Jeff Nygaard. Ça revient dehors. 13-9 pour la Bulgarie. 13-9. À deux points du match. Eh bien, à deux points de la qualification pour la poule finale de ce championnat. Eh bien, nous allons assister à une surprise incroyable. Destination des États-Unis. On n'y est pas, Michel, on n'y est pas. 13-9. Michel, on n'y est pas, on connaît les Américains. Ah, 13-9 dans un tie-break. J'admire votre optimisme, Christian. Bah, bien. 13-6, quand on vous dit qu'ils baissent jamais les bras. Ah, ils ne baisseront pas les bras, ça c'est clair. Et dans un tie-break, l'avantage est à la réception. Allez, c'est parti, Tom Sorensen au service. Très bien servi.
Eh oui. Et Ganev. Ganev, il met la balle d'or. La balle n'est pas touchée. La balle n'est pas touchée d'après l'arbitre Cousin Zone. Et c'est les Bulgares qui demandent un temps mort. Eh bien voilà, ils ont déjà fait. La tension est à son comble. Il faut à la fois que Sorensen assure son service et qu'il mette en difficulté les Bulgares. Allez, on va voir comment il va résoudre cette équation. Oh, et elle est dehors. Mais ça lui fait quoi? Une balle de match. 14-11, soit une balle de match pour la Bulgarie. Ouais, mais les Américains vont faire tourner là. Ils vont revenir à 14-12, c'est à peu près certain. Le score est de 14-11. Ganev au service. Et voilà, la balle tape dans la bande du fil. Alors maintenant, alors aux États-Unis de revenir dans le match. Là, il faut revenir sur deux services gagnants. Ça va, c'est pas du gâteau. Enfin, rien n'est impossible. Et c'est fini, oh là là. C'est terminé.